Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo particulière, on est chez Therapodia, on a fait le voyage avec Jessica, je me trompe pas de prénom. Donc un profil totalement atypique, c'est pour ça qu'on est venu, j'adore ça. Jessica, tu étais vétérinaire. Ouais, pour les chiens et les chats. Incroyable. Et tu t'es lancée dans l'élevage d'arthropodes, c'est ça? C'est ça, il y a un peu plus d'un an maintenant, en mai 2022. J'ai un peu des arthropodes avant, mais je me suis mis à le faire de manière professionnelle à partir de mai 2022. Et voilà, c'est devenu mon activité à temps plein. C'est génial. Alors, on en profite pour vous dire que ben justement, Jessica sera présente à l'Expo The Russe qu'on va faire le 1er et 2 juillet à la boutique de Lyon de 10h à 18h. Et donc là, on va faire un petit peu le tour de son élevage et elle va nous présenter un peu les animaux de fou qu'elle élève et que vous pourrez voir justement ce week-end du 1er et 2 juillet. Donc, on va commencer par mes animaux préférés, les phasmes. Alors, bah, pour les phases, on va appeler Pierre-Yves, du coup, qui est donc mon compagnon et qui m'aide sur Bonjour. certaines parties de l'élevage, notamment les phasmes. Pour le coup, c'est son rayon et pour la plupart, c'est ses bestioles. Cool. Donc, ça va être conjoint. Tu veux qu'on commence par cela? Bah, Ouais. vas-y. C'est pas des phasmes, du coup. C'est pas des phasmes, c'est des criquets. Donc, ici, on a des petits criquets. Une femelle subadulte, tac. Ça a des bonnes mandibules, hein, quand même. Faut pas se faire avoir. Ça s'appelle un Psilicophera grandis. C'est un criquet géant papou. C'est un catidide, en fait. C'est un criquet qui va mimer une feuille morte. Je vais essayer de ne pas me faire bouffer et de le faire repartir chez lui. À taille adulte, ça fait à peu près la taille de la main en fait. Ça Voilà, devient, ça c'est vraiment c'est des des. sauterelles gigantesques. Ah ouais. Ouais, là elles sont petites encore. Et là, tu leur donnes à manger que des ronces? Ronces, un Un peu peu de de fruits, fruits. ouais. Ouais. Ils sont très très polyphages. Ils mangent de la ronce, du frêne, du chêne, du noyer, de la banane, de la pêche, de la pomme et aussi leurs copains quand ils ont faim. D'accord. Donc, du coup, tu les élèves Je les élève en groupe, en groupe, je hein? nourris bien, j'ai jamais de soucis, D'accord. mais effectivement, il faut toujours qu'il y ait de la nourriture en quantité suffisante pour éviter les catastrophes. Probablement en disponibilité l'année prochaine si je m'en sors pas trop mal. Plusieurs choses en L'insecte fait, on a préféré de. d'Olivier, n'est-ce pas? Oui. Donc on a donc plusieurs types de phasmes. Des phasmes plutôt type feuilles, donc des Phyllum filipinicum. Il y en a une ici aussi. On a des phasmes plutôt type bâton. Alors on a ici. Alors anciennement Nécrosia annulipes qui maintenant est. Anarchodes annulipes. Anarchodes annulipes qui a des. Ça, on aura des Ouais. jeunes de cette espèce-là. Qui a des très jolies ailes roses. Ça, c'est vraiment un phasme bah, qu'on voit pas hyper souvent, je trouve. C'est rare d'en voir en élevage, même si c'est pas une espèce rarissime non plus, mais il est assez sympa. Et ça, c'est un criquet phasme. Donc, c'est la dernière femelle d'un petit groupe qu'on a eu il y a quoi, un an et demi. Elle est un peu tordue, elle a fait une mue, une dernière mue un peu ratée, mais ça l'a pas empêchée de bien vivre sa vie. Maintenant, elle est très vieille, mais quand même encore la pêche, elle mange bien. Et c'est des criquets qui ont une tête très drôle parce que très allongée avec des yeux vraiment au sommet de la tête. Et on différencie ça aux phasmes bon, à plusieurs choses. Déjà leur ponte est pas pareille et ils ont aussi des pattes sauteuses qu'on peut voir derrière. Alors ils sautent pas vraiment. Enfin, ils peuvent faire des espèces de petits bonds, mais ça va pas être vraiment des grands sauts de criquets comme on peut voir bah, sur certaines espèces en France, quoi. Donc c'est plutôt une espèce très placide qui s'élève comme un phasme mais qui se comporte comme un phasme. Tu peux Alors. rester loin sur ceux-là. Ah ouais, ceux-là, Parce que ceux-là, ils sont énormes. ils sont balèzes, ouais. Donc là, C'est on pas a des dit. feuilles mortes, en fait, non, non, non. C'est des Phyllium giganteum, très grande espèce de phasme feuille. Là, on a une adulte qui a une forme jaune et ici, une subadulte qui est verte. On dirait vraiment des feuilles Et mortes, ouais, quoi, elles en imitent train de vraiment bien les pêcher. feuilles mortes. Elles Ouais. utilisent le mouvement pour mimer celui du vent dans les feuilles. Et en vieillissant, elles ont les extrémités qui deviennent un peu brunes pour mimer comme les feuilles mortes, quoi. Donc en fait, plus jeunes ils sont verts et en vieillissant ils deviennent plus jaunes, c'est ça? Un peu comme Non, une. Non, ça c'est non. Ah vraiment, non, c'est ça la. dépend des individus. T'as des D'accord, individus qui ouais, vont être c'est plus jeunes. un Ouais, c'est ça. polychromatisme, ouais, C'est d'accord. ça. Sans vouloir me la péter, c'est quand même pas fréquent d'avoir des individus jaunes, Phyllum giganteum. La plupart du temps, ils sont bien verts. C'est D'accord, complètement un hasard. C'est ok. pas, tu peux Ouais. pas sélectionner plus que ça, hein, On a eu de la chance avec mais c'est de la les chance, éclosions qu'on a eues. Et du coup, par contre, ce que disait Jess, c'est que ouais. les franges, les extrémités de la feuille noircissent. Le côté un peu marron sur les bords va s'amplifier avec l'âge et à la fin ça fait quasiment comme une feuille morte quoi. Au début, elles sont Ah vraiment oui, toutes ah vertes, oui, enfin ah toutes oui. vertes tout jeunes. C'est Ah, calé sur il le. vieillit comme une feuille Ouais, en c'est fait, ça. c'est Quasiment. incroyable. Et c'est calé sur le rythme de vie de sa plante nourricière dans le milieu naturel qui est le goyavier. D'accord. Goyavier. Goyavier, Ah, ça, dans attention. les îles, il paraît qu'on dit goyave et pas goyave, mais on s'est déjà fait demander. Et apparemment, le vieillissement de l'aspect de la feuille, du phasme, est quasiment calqué sur le vieillissement de l'aspect de la feuille De la dans le plante. cycle de la plante. Et il mange aussi des ronces, Et heureusement, aussi des c'est bien plus ronces. pratique. Et à côté, on a donc une espèce qui est très particulière parce que
Contrairement aux autres, elle essaye pas de se fondre dans la végétation. Donc c'est Acryoptera manga, ça tu vas pas aimer ça. En plus c'est hyper actif. Alors il a une particularité que j'adore moi personnellement, c'est mon espèce préféré. Il est agressif en fait. Ouais. Il va se plaindre. Ça c'est le bruit de leurs ailes. Enfin agressif. Enfin il est démonstratif. Démonstratif voilà. Donc ça c'est un mâle. Et les mâles sont bleus fluo comme ça avec des petites ailes rouges. Bien. Alors que les femelles sont beaucoup plus brunes. On n'a pas de femelles actuellement. On a des jeunes femelles. Les mâles sont adultes. On a eu des mâles qui ont mûri un peu plus vite que les femelles cette année. Et on les reproduit habituellement. Ça fait actuellement c'est une souche que je maintiens depuis. Quand ça 2018, je pense. Enfin, je l'ai croisé plusieurs fois, mais ça fait un moment que j'en ai. Non, mais ils finissent par se calmer, en fait, quand tu les déranges. Et... Tu vas voir même les bruitages. On est en Provence, mais si vous entendez ça chez nous, c'est pas les cigales. C'est pas les cigales. Donc ça, c'est une espèce qu'on adore parce que elle est très particulière. Elle est très graphique, elle a un comportement différent. C'est vraiment une de nos espèces phares, quoi. Et on aura quelques jeunes à vendre. Et à côté, on a les Phryganustria, qui sont parmi les plus grandes espèces de phasmes au monde. Alors, elles ne sont pas adultes encore, mais à taille adulte, ça fait l'avant-bras, quoi. C'est vraiment un très très long bâton. Ouais. Pour l'instant, tu vois, ils font... Celui que Jess est en train d'attraper, ça, là, il a fait 3 mues. Il a fait 2 mues. Il a que 3 mues. Ouais. Il a que 2 mues, c'est un L3. À la naissance, ils font cette taille-là, quoi. Ouais. Ah oui. Ouais. Ah oui. Ils sont gigantesques. Là, on a fait un terrarium de 1 mètre de haut pour leur permettre de faire leur dernière mue, mais il faudrait techniquement qu'on leur fasse quelque chose d'encore plus grand. Heureusement, c'est facile à maintenir, donc je peux construire rapidement quelque chose selon nos besoins. Tu dois rendre service à la mairie, là, au niveau du débroussaillage. Ah oui, je consomme de la ronce. C'est-à-dire que, heureusement qu'il n'y a pas de concurrence sur le secteur, parce que j'en mange. Les bas-côtés sont nickel. Alors, on n'a pas fait le tour des phasmes, c'est un petit phasme épineux. Et alors, on n'avait pas trop ces couleurs-là sur des groupes avant, mais sur ce groupe-là, les mâles ont des très belles couleurs. Ça, c'est vraiment une espèce très chill. C'est une espèce très placide. Ouais. C'est vraiment du mimétisme cryptique. Il se planque et puis il bouge pas, quoi. Ouais. Et c'est la taille adulte. C'est un mâle adulte, ça. Ah, c'est adulte. Ouais. C'est une toute petite espèce. Regarde, la femelle, elle est là, comme ça. Tac. Adulte à côté. Hop. Et donc, particularité, des épines très robustes. Faut se méfier parce qu'ils sont très très solides malgré leur petite taille et ça se plante bien dans... C'est pas uniquement mimé pour ressembler à quelque chose... Ça fonctionne. Ça fonctionne bien, c'est un répulsif très efficace. D'ailleurs, dans le nom d'espèce, ça s'appelle Epidares noli me tangere, qui en latin veut dire Epidares ne me touche pas. Ah oui. Et on comprend pourquoi. Particularité aussi, très peu prolifique, la plupart des phasmes pondent beaucoup. Et là, les femelles Epidares, elles pondent 1 à 2 œufs par semaine, c'est quasiment rien. Et ça, c'est bien parce que souvent, les gens se font dépasser par les phasmes. Ouais. Tu sais, parce qu'ils incubent tout. Ouais. Et ça peut faire des éclosions massives. Et il y a des espèces comme ça qui permettent de pas trop se faire envahir, quoi. Ça mange pas trop, ça prend pas trop de place. Et c'est pas fréquent non plus. Enfin, en bourse, on en voit rarement. La problématique vient du fait que c'est peu prolifique et que l'incubation est longue. Ouais. Donc du coup, c'est combien une espèce de temps, qui peut répondre. 8 mois en général. 8 mois, Entre 6 et 8, dépendamment de comment tu les incubes, mais proche de leur biotope naturel, t'en as pour 6 mois. Et ça fait une espèce qui est peu répandue à cause de la lenteur de son cycle. Ça aussi, c'est un phasme épineux. Alors à l'âge adulte, le mâle ne quitte jamais la femelle ou presque. Donc il est tout le temps sur son dos, en train d'essayer de se reproduire. Il se nourrit quasiment pas, il se déplace très très peu en dehors de la femelle. Il est en mode taxi tout le temps, quoi. Et donc ça, c'est un phasme asiatique épineux avec un peu le même mode de fonctionnement que l'épidares. Donc des grosses épines cryptiques et petite taille. Ce sont, ils sont en train de s'accoupler, c'est un couple adulte. Et ça, c'est un cycle un peu plus rapide que l'épidares non limétangéré, un peu plus prolifique, mais pas beaucoup plus non plus. J'ai sorti les petits qu'on aura sûrement en dispo à Exposaurus. Les phasmes scorpions. Les préférés de l'idée. Les préférés d'Olivier, mais ils sont petits ceux-là. Ils sont petits, ça. Ils sont petits. Donc, Extatosoma tiratum. Ah, ils sont beaux, j'avoue. Et chez cette espèce, on essaye de sélectionner une forme particulière qui est la forme lichen. Ici, on a une individu qui est lichen. J'adore leur danse. Et t'arrives à fixer une couleur en reproduisant que des lichens entre pas, eux. C'est pas une couleur qui est fixe. Il l'acquiert en grandissant sur des sources de lichens, en fait. Donc là, tu vois, on en a mis dans le terrarium. Mais apparemment, ça marche aussi si tu mets une photo de lichen dans le fond, etc. Et c'est une forme qui vont perdre un peu à l'âge adulte. Les formes adultes, en général, sont... les formes lichens adultes sont un peu plus claires, mais elles deviennent beaucoup plus marron comme la forme classique. Donc c'est juste un peu une...
C'est un truc sympa à voir en grandissant. Mais voilà. L'environnement, la couleur. C'est ça. Mais par contre, c'est pas transmissible. Et ça, c'est une espèce qui est très, très, très facile, qui est très recommandée pour commencer l'élevage de phasme parce que c'est très robuste. Ça mange des ronces. Limite inratable dans le sens où ils ont très bon appétit, ils muent facilement. Enfin, c'est une espèce qui est vraiment très recommandée aux débutants. Le seul problème, c'est qu'elle peut être très prolifique, comme beaucoup des espèces faciles. Il faut prévoir le coup, pas faire incuber tous les œufs, prendre un seul couple. En général, il faut éviter de faire l'erreur, tu vois, d'en prendre 10 d'un coup. Donc le phasme avec les ailes roses que vous avez vu tout à l'heure. Ah oui. Donc on les met en bac communautaire avec les filles pour la nurserie. Et donc vous avez des bébés ici qui sont stade 1 ou 2. Qu'on aura vraiment rien à voir avec les adultes. Hein. C'est des tout petits bâtons verts. Ouais. Et à la dernière mue, tac, le glow up. Ils prennent du jaune, du rose, incroyable. Ouais. Voilà. Et donc des bébés filles qu'on aura également disponibles. Alors ça, particularité géniale, je vais vous montrer un truc. C'est que les femelles pondent les œufs, non pas au sol, mais dans une écorce ou dans un support un peu dur. Et donc moi, pour les faire incuber, je les fais incuber là-dedans. C'est de la mousse horticole. Dans de la mousse horticole. Et donc vous avez cette mousse horticole qui était en place dans le terrarium, qui s'est faite perforer de 1000 trous. Là, vous voyez, ça, c'est des œufs qui sont en forme de pointe, comme ça. Et qu'elle vient, tac, planter dans la mousse. Et il n'y a qu'un seul œuf, là. Qu'un seul œuf. Il y a un œuf par petit trou que vous voyez dans la mousse. Et j'en ai fait aucun moi-même. C'est toutes elles qui ont fait ça. Et comme vous pouvez voir, elles ont mis... En fait, l'œuf est pointu. Donc, elle le lâche pas. Elle s'en sert pour le planter directement. Et assez vigoureusement. Et c'est un mécanisme qui est tellement efficace qu'elles s'en servent même pour se défendre. Mmh. Ah oui. Quand on les attrape, elles essayent de nous mettre des coups de pointe d'œuf. Des coups d'œuf, ouais. Voilà. Elles sont parties se cacher tout de suite. C'est clair. Une petite cétoine. Donc ça, c'est des Chlorocala africana camerunica, des petites cétoines vertes, ce qu'on appelle des cétoines bijoux. Voilà. Mais on n'en vendra pas. Oui, ils vendront rien. On garde tout pour nous. C'est nos bébés. Venir les voir, ils sont gentils, mais bon. Ça, incroyable. Ça, par contre, je ne mets pas dans les mains. Copifora French Guyana, Guyane française. Et ça, c'est un criquet prédateur. Qui se cache dans les feuilles et qui saute pour manger des petits orthoptères, comme eux par exemple. Ils mangent volontiers leurs enfants ou quoi. Ça a aussi une bonne petite paire de mandibules. Et c'est vraiment magnifique. En fait, c'est une catidide cornue. Donc on voit, elle a une espèce de petite corne là au sommet de la tête. Et ça veut dire que c'est un criquet qui va à la fois imiter le feuillage pour se planquer et à la fois avoir un comportement prédateur. Ouais, il recourbe le bout de la feuille pour contre elle. Et vraiment, elle se plaque comme ça, si tu veux, regarde, tac. Elle se met vraiment dans la... Et la forme de la tête fait vraiment... Ouais, c'est comme la pointe de la feuille. C'est un profil exprès, quoi. Et ça, c'est une espèce qu'on a plutôt bien réussi. Et donc là, c'est son bac de ponce. On l'a mise là-dedans parce qu'elle s'est reproduite. Et comme vous pouvez voir... Tac. Elle a planté des œufs tout le tour du terrarium. Ça a bien marché. Et du coup, c'est pareil, c'est un seul œuf. Certains criquets pondent des œufs au tech. Ouais, c'est ça, comme les criquets migrateurs. Ouais. Et les Copifora, ça pond des œufs individuels. Donc là, elles ont une mue. Ouais, elles sont stade 2. Hop, stade 1, elle va m'attraper. Tu veux monter. Tac, on rimbole là-dedans. C'est une menthe-fleur africaine. Ça saute, ça te fait délirer. Putain. Ouais. Elle saute plus trop, adulte, mais petite. Elle est en train de remonter tout seul. C'est bien, disciplinée. Voilà, petite menthe fleur africaine, donc il y a une hôtèque, on a une vingtaine d'éclosions. Très jolie adulte, elle a. Donc là, c'est le premier stade. C'est le deuxième stade. Après la première mue. C'est une petite espèce, ouais. Bon, ça, c'est pas hyper facile à élever pour le coup, parce que c'est très rapide et que. Ouais. Ça mange. Et il n'y a pas de cannibalisme entre les jeunes. Il peut y en avoir un petit peu. Là, à partir du stade 2, il faut commencer à surveiller et bien nourrir tous les jours. Et si jamais. Ah, elle est là en fait. Faut vraiment blinder de nourriture. Il y en a qui disparaissent. Là, tu vois, on met 50 drosophiles d'un coup. Ouais, en fait, les menthes, quand ça éclot par dizaines, voire centaines. Donc, faut être prêt, quoi. Donc là, la très fameuse menthe fantôme, Phyllocrania paradoxa, forcément déjà vu quelque part. C'est des petites menthes avec un petit chapeau. Elles sont trop mignonnes aussi. Pareil, une vingtaine de jeunes. On a récupéré. D'une holothèque pondue par sa maman qui est toujours de ce monde, en notre possession, que je peux vous montrer. Donc elles ont une espèce de petite excroissance sur la tête
Et le mâle a une excroissance très longue et les femelles un peu plus petites, ça se voit pas trop à cet âge-là, mais c'est assez impressionnant chez les adultes. Et donc c'est un camouflage de feuilles aussi. Voilà, wow. Femelle adulte. Bien, il y a de la marge. Approche pas trop son bébé quand même. Hein. Oui, je sais, je la vois la regarder là. L'élémente, c'est très, comment dire, tu vois, très interactif, elle s'intéresse à beaucoup de choses, elle voit très bien, donc c'est limite comme si tu pouvais voir ce qu'elle pensait en direct, parce qu'elles sont assez expressives et plutôt démonstratives, quoi. Ouais, comme c'est des prédatrices, elles sont obligées d'observer. Oui, c'est ça. Ah, tu as le... Alors, ça, c'est une espèce qui est pas hyper impressionnante quand tu la vois, mais qui a la particularité d'être phosphorescente, en fait, en lumière noire. Ah oui, comme les scorpions. Montrer... Ouais, exactement. Ce qui est assez pratique pour les trouver dans le substrat. Ouais. Ah, vraiment comme les scorpions, c'est génial. Ouais. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu une espèce de geek, parce que, tu vois, c'est une petite hule qui est plutôt terne, mais qui s'élève très très bien. Et, Une particularité, c'est que c'est un hule qui va vivre dans des patchs de feuilles en décomposition coincés dans les arbres. D'accord. Il n'est pas arboricole en tant que tel, il ne vit pas à l'air libre, il n'aime pas ça, il est dans le substrat, mais coincé dans les arbres. Donc il est habitué à vivre en fait dans une niche de substrat qui est très restreinte et de qualité très variable, qui peut être très humide, qui peut être très sèche, donc en fait il est ultra costaud. Et il a l'espèce de qualité improbable d'être phosphorescent en lumière noire, c'est juste génial. Ouais. Donc juste les Benoitolus siamensis, on en aura probablement quelques-uns... Oui. De disponibles. En général, ça part très très vite, donc c'est pour les premiers arrivés. En fait, les yules, c'est très très lent à reproduire. La maturité sexuelle arrive après plusieurs années. Alors là, c'est une yule très rouge. Tonkimbolus codulanus et Centrobolus annulatus. Du coup, elle mange des feuilles mortes et quelques légumes. Ouais, voilà. En fait, ça s'élève un peu comme des cloportes. Il leur faut plus de substrat, mais il leur faut aussi beaucoup de feuilles mortes et de bois mort. C'est vraiment, pareil, leur aliment principal. Elles adorent tout ce qui va être légumes, végétaux frais. Et elles ont des systèmes défensifs, elles sécrètent des... Ouais, il n'y a pas vraiment de nom défini, mais les éleveurs appellent ça osopores. Comment dire, des petits pores qui sont sur le côté, ici, et qui peuvent excréter un liquide qui peut faire réagir la peau. Il faut vraiment les stresser, les embêter. Ouais. La plupart du temps, quand on manipule des yules, on les laisse monter sur nous, ouais, et du coup, ça les stresse pas et elles sécrètent pas, quoi. Les Tonkimbolus codulanus, celles-là, elles ont tendance à lâcher très très vite. Il y en a qui sont plus ou moins... Les Benoitolus, jamais. Les Centrobolus, jamais. Et on sait si elles ont des prédateurs, du coup. Ouais. Essentiellement les oiseaux. Les oiseaux, bah oui, les oiseaux sont pas sensibles. Et aux reptiles. C'est plus dissuasif, tu vois. Après, je pense que leur plus grand mécanisme de défense, c'est d'être quand même assez cuirassé. Ouais, on a tendance à mélanger, faire des bocs communautaires, même si on évite d'en mettre beaucoup, parce que les cloportes, ça. Enfin, s'il y en a beaucoup, ça peut déranger les yules en mue. Ouais. En fait, les yules en mue, c'est très fragile. Elles mettent beaucoup de temps à muer, et il faut qu'elles soient vraiment pas dérangées. Et si t'as beaucoup de cloportes et qu'ils voient un truc un peu immobile avec de la chitine morte par-dessus, ils peuvent essayer de s'y attaquer un peu. C'est très rare, hein, ça arrive très rarement. Et tu les as déjà observées muer ? Elles muent comment ? En fait, tu les vois pas muer parce qu'elles vont s'enterrer. Ah oui, d'accord. On va pouvoir vous le montrer sur notre espèce. Ouais, elles s'enterrent, donc parfois tu peux le voir quand tu regardes par-dessous. Mais là, il n'y en a pas. Elles s'enterrent, elles font une espèce de coque, ou pas, il y en a qui font pas de coque, et ensuite elles vont muer en une seule fois. D'accord. Elles restent sous terre quand même plusieurs semaines, et ensuite elles vont remonter, mais elles sont hyper fragiles encore à ce stade-là, il faut au moins attendre 4-6 semaines qu'elles sèchent. Ça prend beaucoup de temps pour sécher, et c'est une période à laquelle elles sont très fragiles, parce que si tu l'as fait. Tu vois, si tu la manipules et qu'elle vient de muer, elle ne va pas être forcément. Elle peut se briser, et puis c'est lié à mort, quoi. Les yules, ça paraît coriace, mais c'est quand même. Faut quand même y faire attention. Tu vois, si tu fais tomber une yule, même de pas haut, sur le coup, tu peux te dire, bon, ça va, elle va bien, mais en fait, le lendemain, tu la trouves morte parce qu'elle a eu des lésions internes que tu vois pas, quoi. Ouais, de toute façon, c'est pour principalement l'observation, c'est pas. Ah oui, bien sûr. Après, il y a quand même, chez certaines espèces, tu peux avoir une espèce, tu vois, d'habituation au contact, mais pas non plus. Ça, c'est une espèce qu'on a depuis très longtemps. Elles ont 8 ans, celles-là. Les individus que vous voyez ont entre 8 et 9 ans. Ouais. Et donc ça, c'est une espèce qui est vraiment assez simple d'élevage. Originaire de Tanzanie, développement lent, en milieu tempéré. Très, très divertissante parce qu'elle change beaucoup d'aspects au cours de son développement. Ouais. Les jeunes sont rayés blancs et orange. Ah ouais. Et les adultes finissent comme ça.
Et donc on a des petits jeunes qui vont être plus dans un autre bac que Jess vous montrera après. Ouais. Là, c'est principalement les adultes, un bac de ponte avec pas mal de bois mort en surface pour les stimuler à pondre. C'est des invertébrés très costauds, et super intéressants, assez actifs. Ils sont tout le temps en surface, ils sont tout le temps en train de se fixer sur la moindre source de nourriture qu'on positionne. Quoi. Sauf quand ils muent, justement. Et donc, en parlant de mue, vous pouvez regarder sous ce bac. Vous voyez des individus dans leur loge en train de faire leur mue. Ah ouais. En fait, tout est long. Chez les yules, c'est des animaux qui vivent très longtemps pour un arthropode. Il y en a qui vivent 20 ans, tu vois. Ah ouais. Il y en a certaines, on ne sait pas encore combien de temps elles vivent parce qu'elles ne sont pas en élevage depuis assez longtemps pour Par qu'on exemple, sache. Cette espèce-là, Spirostreptus sp tanzani, on ouais, sait pas combien sait de temps pas. Ça vit. En gros, on peut te dire au moins 12-15 ans. Mais pas, potentiellement beaucoup plus. Quoi. Et tu fais des variations saisonnières dans l'humidité pour non. stimuler la reproduction. Là où elle vit, il n'y a pas de. En fait, la repro est stimulée par. Si dans leur biotope, il y en a quand même des variations de. Oui, il y a des variations, mais pour répondre à ta question, la reproduction est stimulée par la présence d'un bon tapis de feuilles mortes et de bois mort. Ça, d'accord, c'est vraiment ouais, ce qui va déclencher la reproduction. Aussi, ouais, c'est la présence de l'âme de nourriture en fait. Pour être honnête, en fait, on ignorait même si la reproduction était possible jusqu'à ce qu'on découvre des petits dans notre bac par miracle. Génial. Bah, ça fait partie des espèces sur lesquelles tu as très peu d'infos, donc tu découvres un peu au fur et à mesure. Quoi. Bah, mine de rien, l'élevage amateur permet d'apprendre pas mal de choses sur des espèces, oui, tu vois. C'est ça. Celles-ci, elles sont énormes. Donc, Archis pyrostreptus gigas. C'est du continent africain. Hein. Ouais, bon, c'est une île africaine. En tout cas, c'est un yule africain. Je suis pas spécialiste des yules, mais il y en avait qui ressemblent à ça au Togo. Alors, celles-là, pour le coup, elles ont tendance à pas mal envoyer de liquide, mais elles sont quand même, celles-là, assez habituées. C'est marrant parce que chez ces grandes espèces-là, elles vivent de manière commensale avec des acariens. C'est pas néfaste pour elles, c'est une relation assez bénéfique pour tout le monde parce que les acariens vont la nettoyer. Ouais. Donc ça, c'est parmi les plus grandes espèces de yules qui existent en élevage. Donc sur ce type de yules-là, typiquement quand t'as une mue, c'est vraiment un processus très long et très délicat pour l'animal. Quoi. Et donc ça, c'est un animal qui en général fait peur parce qu'il est associé au scolopendre. Mais c'est pas du tout le même groupe d'animaux. Alors, c'est un mille-pattes, mais il faut remonter très très haut, tu vois, dans l'ordre pour arriver à trouver une similité avec les scolopendres. Et donc, c'est des animaux qui sont parfaitement inoffensifs. Et celle-ci, t'arrives à les reproduire ? Et celle-ci, bah, ça fait partie des espèces, on ne sait pas trop si elles peuvent se reproduire en captivité, tu vois. Surtout que celles-là, on estime qu'elles ont une espérance de vie très longue, et donc du coup, la maturité sexuelle arrive très longtemps. Et donc pour les sexer, chez le mâle, il y a un trou qui permet de faire sortir l'appareil reproducteur. Et chez la femelle, il n'y en a pas. Donc là, ça doit être la femelle. Ouais. C'est subtil, hein. Tout ça, c'est géré par Pierre-Yves. On a beaucoup d'animaux, donc on se sépare un peu, tu vois, les élevages. Ici, c'est lui qui s'en occupe, sauf pour les phidippus. Ah oui, je gère moi. Les phidippus, les stars. J'ai commencé à faire des terras comme ça et pour l'instant j'ai pas pu loger tout le monde dedans. Mais donc on a Ichi, la petite, qui a ce terrarium là. Elle a mué, c'est sa mue qu'elle aura, toi ? Et alors elle vient de faire une mue, ouais. Elle vient de faire une mue hier. Donc je pensais qu'elle était adulte, mais en fait elle était à une mue d'être adulte. C'est des araignées qui sont adorables parce que elles ont pour caractéristique d'avoir une très bonne vision, d'avoir deux yeux. Je sais pas si tu pourras bien la voir. D'avoir deux yeux médians qui sont très prononcés et donc qui permettent un peu aux gens de plus rapprocher ça avec des animaux qu'ils connaissent, tu vois, par rapport à d'autres espèces qui vont avoir huit yeux un peu plus, plus prononcés. Donc c'est une espèce qui est très mignonne, qui, comme la plupart des araignées, est insectivore, qui se nourrit en captivité avec plusieurs types d'insectes. Nous, on la nourrit avec des mouches, avec des... Ah, ils aiment bien les trucs qui ont des ailes, en général. Ils adorent les trucs volants, ouais. C'est ce qu'elle préfère. Et elle est assez curieuse, tu vois, elle regarde un peu partout. Et là, tu connais la localité de celle-ci ? C'est une de Floride ? Floride, ouais. Et puis les mâles, ils sont beaux aussi, ils ont une couleur différente. Les mâles, ils sont tout noirs. Ouais. Et c'est une espèce qui permet vraiment de se réconcilier avec les araignées parce qu'elle est beaucoup moins impressionnante. Ça fait partie d'une famille qu'on appelle les salticides, qui sont des araignées assez petites, tu vois. Ça, c'est parmi les plus grandes salticides. Ouais. Elle fait près de 2 cm à taille adulte. Et c'est bien de pouvoir dire aux gens que s'ils n'ont pas trop peur de ça, parce que c'est mignon, ben, en fait, ils sont OK avec la plupart des araignées, ouais, finalement. C'est ça. Et donc, c'est une araignée qui ne fait pas de toile en dehors de son cocon de nichage. Elle va chasser à vue, donc elle va sauter sur sa proie. C'est assez drôle à voir chasser. Et c'est une espèce qui, comme la plupart des celtis, a beaucoup, beaucoup de prédateurs. Donc plein de choses, hein, lézards, oiseaux, d'autres araignées.
Elles sont vraiment en bas de la chaîne alimentaire, enfin pas tout en bas, mais pas bien haut. Elles aiment bien rester proches de leur cocon, elles vont pas aller explorer très loin. Ouais, c'est ça. Elles ont besoin d'avoir, tu vois, une espèce de une zone de confort. Ouais, une zone où elles peuvent se replier, voilà. Elles sortent vraiment pour aller chasser. C'est ça, après... elles sortent, excuse-moi, pour aller chasser. Ouais. Parfois, elles font des petits tours, mais c'est vraiment... C'est vraiment rare. Peut-être les mâles sont un peu plus... Ouais, les mâles adultes, ils ont recherché peut-être... C'est ça, ils ont un peu plus tendance à explorer. Peu... Ouais, surtout ça. Là, je pense qu'il y a pas mal de... Elles envoient pas mal de signaux parce qu'elles sont... On en a deux et elles sont toutes les deux à maturité sexuelle. Donc, elles doivent pas mal les sentir. On les voit parce que les mâles mangent moins en ce moment et ils sont un peu plus en recherche, tu vois. Ouais, ouais. Et tu connais la durée de vie des Phidippus, du Ouais, coup c'est à peu près 2 ans en tout, dont 1 an adulte. D'accord. Voilà. Et c'est pareil pour mâles et femelles, c'est pas comme chez les mygales où les femelles peuvent vivre 20 ans et les mâles... Les mâles vivent un peu moins vieux, ouais. Mais ça se joue à quelques mois après, quoi. C'est pas non plus et une grosse différence. Il n'y a pas de prédation, enfin entre le... au moment des accouplements, les femelles vont pas essayer de manger le mâle. Si, ça c'est le danger de l'accouplement des Phidippus, c'est que la femelle peut décider de manger le mâle. Ouais. Donc il est conseillé quand on les fait reproduire de bien nourrir la femelle avant, pour qu'elle ait pas envie. Il y en a même qui vont introduire le mâle pendant que la femelle mange. D'accord. Un peu comme pour certaines mantes, tu vois. Ouais. Et donc ouais, ça c'est une petite difficulté. Pareil, comme pour les mantes, les bébés peuvent se manger entre eux. Ah oui, ils sont... Ouais. C'est le principe de cette espèce, tu vois, ça fait beaucoup de bébés, beaucoup de gros pros. Ils sont pas tous voués à survivre. Il y a une partie qui... Ouais, même au premier stade, ils sont capables de se manger entre eux. Ouais, ouais. Et mais sinon, ouais, c'est... Ouais, dans la nature, ils doivent se disperser rapidement... Ils dispersent, mais enfin, ça fait aussi beaucoup qui se font manger. C'est ça. Ouais. La stratégie, c'est vraiment pas qu'ils survivent tous. Ouais, heureusement, tu vois, il y a beaucoup d'espèces comme ça. Où ça. L'idée, c'est qu'il y en ait 15% qui survivent. Ouais, voilà. S'il y en a un qui arrive à survivre, qui arrive à atteindre l'âge adulte, c'est bien. Quoi. C'est ça. Ouais, c'est cool. Donc ça, tu vois, là, tu tentes de les reproduire. Alors là, on a eu une repro. T'as déjà reproduit dans le passé, non? Non, c'est la première fois que je tentais la repro. Et on a quand même été récompensé la semaine dernière. Ah ouais, cool. Ouais. Donc je vais te montrer l'autre femelle qu'on a, qui s'appelle Birdie. Alors qu'on va pas trop déranger parce qu'elle est vraiment en train de surveiller son cocon, tu vois. Ah oui. Et donc elle a pondu la semaine dernière, un petit cocon. Et elle quitte plus cet endroit. Elle les surveille vraiment. Elle va les surveiller jusqu'à l'éclosion. Tu connais à peu près la durée d'incubation? À peu près un mois. Un mois? Ouais. Donc là, il y en a pour encore 3 semaines. Et puis après, il va falloir séparer tous ces petits. Et après, oui, séparer, nourrir. Pareil, ça mange des petits insectes volants, donc drosophiles. Les colamboles, ça pourrait en manger des petits, non? C'est pas trop. En fait, ils chassent rarement près du sol. Hein. Ils chassent vraiment en hauteur. Donc si ça vole pas, ça les intéresse moins. Ouais, donc drosophiles, quoi, t'auras pas le choix. Ouais. Petite blatte éventuellement, et toute petite blatule, mais bon, c'est pas facile d'en avoir beaucoup d'un coup. Ouais, c'est ça. Blatte. Puis les trier. C'est ça. Donc ça va être de la droso. Voilà, ça va être le travail de mi-août. Mais voilà, après je pense qu'on en gardera quelques-unes parce que c'est vraiment une espèce que j'adore et tu peux avoir un peu de variabilité morphologique, surtout chez les femelles qui peuvent être plus ou moins colorées. Et ça, c'est cool. C'est chouette. Ouais. Attends, je vais te montrer un petit mâle aussi. Donc ça, c'est le papa. Le papa de la ponte. Alors lui, il est un peu flippé, mais il lui faut quelques minutes et après il se détend, mais il est aussi adorable. Alors il est pas très, comment dire, c'est pas le plus débrouillard. Il a tendance à pas mal se gameler, à sauter trop tard, trop tôt. Ouais, ils étaient vraiment sympas. On en avait eu au magasin des adultes comme ça, elles mangeaient à la pince et tout. Enfin, ouais. Alors lui, il mange pas à la pince, mais les femelles, ouais, elles mangent à la pince. Ouais. Mais lui, il est un peu trop flippé. Et même, tu sais, des fois, il comprend pas trop ce qui est une proie, ce qui est pas une proie. Ouais. Donc il faut vraiment lui laisser le temps. Enfin, lui, en gros, je lui mets une mouche et s'il l'a mangée dans la nuit, c'est bien, quoi. Mais en ce moment, je pense qu'ils sont un peu perturbés parce qu'il doit y avoir beaucoup de phéromones. Voilà. Et tu fais des variations d'humidité ou pas, non, en fonction des saisons ou Non, pas forcément. En fait, du coup, la Floride, c'est plus ou moins tout le temps humide et chaud. Ouais, ouais. Donc non, c'est pas forcément la peine. Ouais, c'est quand même relativement simple. Hein, c'est assez simple. En fait, le plus difficile avec les Phidippus, c'est juste élever les proies, quoi. Ouais. Donc ça veut dire... Soit tu as une capacité exceptionnelle à attraper des mouches, soit tu les élèves. Et en fait, nous, on achète
des asticots pour la pêche. Ouais, c'est ça, ouais. Et on en met une certaine partie à incuber, tu vois. Ouais. Mais ouais, ça demande un peu d'organisation. Et souvent, les gens... Enfin, parfois, les gens sont plus dérangés par les asticots que par les araignées. Mais bon, tu peux pas trop y couper, quoi, quand t'as un prédateur d'insectes. Les grillons, ça marche pas ? Parce que moi, des grillons... Ça peut marcher, mais les grillons, ça peut les blesser, en fait. Ah oui. Donc il faut vraiment faire attention quand on met, s'il la mange pas tout de suite, faut la virer parce que... Enfin, surtout quand elles préparent une mue, elles sont peu actives oui, et elles oui. peuvent se faire manger par les grillons. Donc j'évite en général les grillons, mais blattes et petites mouches, sans problème. Ouais. Donc ici, on est dans la pièce d'élevage des isopodes. Il y a quelques blattes aussi, quelques espèces de blattes. Et tu mélanges d'ailleurs a priori avec dans les blattes parce qu'ils vivent très bien ensemble. C'est des triturbeurs, mais qui sont spécialisés sur des choses un peu différentes. Donc ça marche bien, ça permet d'entretenir un peu mieux les bacs. Donc il y a pas mal d'espèces. Je t'avoue que je perds un peu le compte des fois. Ouais, tu vas nous présenter quelques-unes, peut-être des plus spectaculaires. Ouais, parce que t'en as tellement carrément. Que, là... Enfin, celles qui te plaisent, celles que tu as envie de nous montrer. Moi j'aime bien ce bac-là. Voilà. Parce que. C'est des petits armadillidiums qu'on appelle maculatum. En fait, ils sont noirs avec des taches blanches. Maculatum, ça veut dire tacheté. Et ils sont assez intéressants parce que chez certains individus, les taches se regroupent, sont coalescentes et ça donne un morphe qu'on appelle zébra. Donc, c'est des cloportes qui sont assez plébiscités pour ça parce qu'ils sont un peu marrants. Et t'arrives à faire de la sélection sur la coloration ? Ça sélectionne un peu. Je vais même te montrer. Il y a dans cette espèce un morphe particulier. Donc, t'en as certains qui deviennent jaunes et ça, tu peux les sélectionner. Et c'est transmissible. D'accord. Hop. Beaucoup plus jaune que les autres. Tous les jaunes ressortent de cette couleur-là. Il n'y en a pas qui reviennent comme ça dans les jaunes ? Non. Ah ouais. Le jaune sort dans les bacs blancs, mais une fois que c'est jaune, ça reste jaune. Ouais. D'accord. Ouais, donc en tout cas, ça m'est jamais arrivé que ça reverse, entre guillemets. Et il y a pas mal de sélections en fait, chez cette espèce. Je vais te montrer une autre forme qu'on appelle champagne, qui est une forme diluée, si tu veux, du noir. Alors ça, c'est un bac communautaire. C'est un bac dans lequel il y a plusieurs espèces différentes, parce qu'il y en a pas mal qui cohabitent et que c'est un gain de place. Ah oui. C'est la même espèce avec un fond un peu plus clair. On dirait pas du tout que c'est la même espèce, c'est incroyable. Ouais. Et ça c'est pareil, tu reproduis des champagnes entre eux, ça donne que des champagnes. Ouais. Et donc là-dedans, t'as d'autres espèces. T'as les clougis. Clougis, ça veut dire clown en fait. C'est parce qu'ils sont un peu bariolés avec des taches un peu partout. C'est ceux du Monténégro, c'est ça ? Ouais, ça c'est des Monténégro. Et à côté, tu as aussi des Magic Potions. Bon, ceux-là sont petits, mais il y en a quelques en gros qui doivent se balader. Et du coup, là, comme c'est tout des espèces européennes, tout ça Ouais, c'est européen, ouais. Du coup, tu fais une période d'hivernage ou pas ? Non. Non, non. En leur donnant les bonnes conditions tout le temps, toute l'année, ça marche. Ouais, ça marche bien. Ils n'ont pas besoin de ça, ni pour se reproduire, ni quoi. Mais par contre, c'est sûr que si tu les fais hiberner, ça va freiner la reproduction. Ouais. Même sans les faire hiberner, tu vois, je constate que l'hiver, on a moins de reproduction. Parce que, bon, on chauffe quand même, mais... La température moyenne diminue un petit peu, je ne sais pas si ça suffit à les faire freiner la reproduction, mais en tout cas, j'observe que l'hiver, il y a beaucoup moins de reproduction qu'à cette période, ouais, par exemple. C'est incroyable, des espèces qui vivent comme ça en milieu tempéré, qui s'adaptent bien, bien à un rythme continu. Ouais. Donc ça, c'est des petites espèces qui se mettent en boule, donc ça se rapproche un peu des espèces qu'on voit le plus souvent en France, qui sont les Armadillidium vulgare et Nasatum, qui sont des petites espèces qui se mettent en boule aussi. Ouais, voilà, c'est cela. Mais il y a plein d'autres espèces qui ne peuvent pas se mettre en boule et qui ont d'autres stratégies de défense, qui sont notamment de s'agripper très fort au milieu sur lequel ils sont. Et là, par exemple, on a donc une espèce espagnole qui est très très grande, alors qui adore les cachettes. C'est pour ça qu'il y a des boîtes d'œufs là-dedans, parce qu'il faut vraiment favoriser les cachettes. Et qui est assez impressionnante par la taille. Vraiment impressionnante. Ouais. Attends, je vais t'en trouver un parce que j'en ai des... Ceux-là sont pas très grands. Ouais, mais ils sont beaux. Ils sont déjà plus costauds que les autres, ouais. C'est vrai qu'ils s'aplatissent. Ils s'aplatissent complètement et voilà, ils vont s'agripper. C'est très difficile de les déloger une fois qu'ils ont décidé de s'agripper, tu vois. Et cette espèce est hyper intéressante parce qu'il y a un dimorphisme sexuel marqué. Chez le mâle, tu vois, t'as les duropodes qui sont longs. Ouais. Et des longues antennes. Et chez la femelle, par exemple, la grosse ici, c'est une femelle. C'est beau, c'est très court, plus petit et les antennes sont plus petites. Et les femelles sont plus larges en général.
que les mâles. Et ça, c'est une espèce qui est assez populaire parce que c'est parmi les plus grands cloportes et les plus larges qu'on peut avoir dans le milieu. Et du coup, ils vivent plutôt au sol, en milieu naturel, ou plutôt oui. accrochés sur des ils s'accrochent pour, si tu veux, rester planqués sous les écorces. D'accord, qui sont tombés au sol, ouais. C'est ouais, pas c'est sur ça. Les arbres, ouais. Non. Okay. C'est sous les écorces, sous les feuilles mortes. Tu trouves souvent des cloportes aussi, quand t'as des tas de bois, t'en as ouais. accroché au bois. Donc ça, c'est une espèce que j'aime beaucoup parce qu'elle est... Enfin, comportementalement, c'est très intéressant à regarder. Ils ont beaucoup de comportements sociaux. Et ils vont sortir plutôt le soir. Et eux sont plutôt actifs le soir. Il y en a qui sont actifs la journée parce que ceux que je t'ai montré avant, tu vois, les maculatums, ils étaient tous sortis là en journée. Ils sont assez visibles. Et il y en a d'autres qui vont effectivement sortir que le soir. Je vais te montrer... Bon, alors, on fait une petite pause cloporte, mais c'est tellement parce qu'elles sont toutes sorties. C'est des blattes qui sont diurnes. Donc en journée, ah ouais. on les ah voit ouais, beaucoup. Des blattes diurnes, c'est rare. Ouais. Elles sont belles. Et donc ça, c'est les Pseudoglomeris wow. magnifica. Ouais, elles portent bien leur nom. Ouais. Donc Pseudoglomeris, parce qu'elles ressemblent aux gloméris, tu sais, qui sont des mille pattes, mais qui ressemblent déjà, eux, aux cloportes. Ouais. Et du coup, c'est comme les dubias, les mâles ont des ailes et les femelles ouais, non c'est ou, ça. Là, ou là, c'est exactement. Le stade larvaire. Alors ça, c'est un jeune, ouais. mais ça, c'est un mâle adulte, et il n'y a que les mâles adultes qui ont des ailes. D'accord. Ce qui est un moyen de les sexer à l'âge adulte. Et donc celles-là, elles sont vraiment caractéristiques par leur couleur incroyable. Quoi. C'est rare de voir ça chez ouais. les blattes. C'est ce qui fait que cette espèce est assez recherchée. Et assez elles recherchée. Sont prolifiques, pas trop, c'est galère. Très peu prolifiques, ouais. ça c'est vraiment un peu une galère pour en avoir, parce qu'il y a 9 mois de gestation, 6 mois pour avoir des... Ouais, entre 6 et 9 mois de gestation, pardon. Et elles font à peu près des portées de 12, quoi. D'accord. Donc c'est pas, ah oui, c'est très peu prolifique pour une blatte. Et elles vivent un peu comme les cloportes Et elles vivent dans des milieux forestiers, et il leur faut beaucoup de bois mort et beaucoup de bois. En fait, les femelles vont se cacher dans les écorces pour reproduire. D'accord. Donc il faut vraiment insister sur le bois. Et là, en fait, on voit pas, mais cette écorce-là est creuse, donc dessous, elles ont vraiment plein de cachettes et plein de bois. Enfin, là, t'en vois quelques-unes, mais la plupart sont dessous. Et, tiens, je vais te montrer, parce que c'est assez peu fréquent. Les mues de ces blattes-là restent colorées. Donc là, tu vois, ah, c'est, oui. C'est une ancienne cuticule de blatte. Alors, au début, c'est un peu flippant parce que tu dis, mince, elle est morte. mais en fait, bon, ouais, là, on le voit pas trop, voit, mais il y a un sillon ouais, au milieu qui voit, se fait. Voit. Et la blatte sort toute blanche. Elles ont la capacité d'adhérer au support lisse. Monter aux parois, oui. Ouais, ouais. Alors, pas trop, c'est pas la meilleure grimpeuse qu'on ait. C'est pas la meilleure grimpeuse qu'on ait. Mais ouais, elles peuvent un petit peu monter aux parois. Après, tu vois, le mâle a des ailes, mais il va pas s'envoler. Enfin, oui, oui, oui. Il s'en sert juste pour planer si ouais, jamais c'est il ça, tombe. C'est ça. Mais c'est pas. Runners, et ça, tu vas en emmener ou pas? Normalement, ça les laisser tranquilles en général. Ouais, ouais. Donc, je fouille pas trop les boîtes, mais je vais regarder avant de venir si je peux en apporter quelques-unes. C'est pas impossible parce que je les ai quand même depuis déjà un moment et j'ai des couples reproducteurs depuis un moment. Mais voilà, je peux pas encore te dire, j'ai pas trop fouillé. Ah, une autre espèce qui est assez présente en France. Mais qu'on élève d'une forme particulière qu'on ne trouve pas, pas trop à l'état sauvage. C'est les Porcellios caber. Donc ça fait partie des espèces qui sont un peu plus plates et qui ne vont pas pouvoir se mettre en boule. Et à l'état sauvage, ils sont gris. Ça, c'est une forme qu'on appelle ghost, tu vois, ils sont... Ouais, est-ce que nous, on a des lavas, je crois, ils ouais. sont un Lava, peu orange, ils sont tachetés, du orange au gris. Ouais, c'est ça. Et les ghosts, ils sont plus blancs, crème. Mais c'est des populations différentes ou c'est une sélection C'est une sélection. Ouais. En fait, c'est des mutations qui arrivent de manière naturelle, tu vois, mais qu'on peut sélectionner en captivité. Et en général, les formes élevées en tant qu'animaux de compagnie sont des formes qui ont été sélectionnées, quoi. Ouais. Parce que c'est même ça, espèce, c'est mais formes ouais, puis il y en a des panachées. Oranges. C'est ça, il y en a des tout oranges, il y en a des gris. C'est vraiment c'est une espèce que j'aime beaucoup. De toute façon, dès qu'il y a un peu... Enfin, je trouve ça intéressant d'avoir de la variabilité individuelle au sein d'une même espèce. Ça permet d'avoir l'impression ouais, d'avoir puis un truc très... d'arriver à fixer, sélectionner, c'est sympa. Ouais, ça aussi, c'est une espèce pour laquelle il y a plein de mutations. Les petits cubaris. Ah, oui, donc ça, c'est une espèce qui est assez recherchée parce qu'elle est... Bah, tu vois, le cubaris, c'est un peu la phidippus du cloporte, quoi. C'est une espèce hyper mignonne, très intéressante à regarder aussi. Donc ça, c'est la forme... Ils se mettent en boule, ça, aussi ouais, boules. Ils se mettent en boule, ça. Ça, c'est la forme Amber Ducky. Très, très beau. On dirait des trilobites, c'est marrant. Ouais. Et ils sont marrants parce que tu vois quasiment pas leurs pattes quand ils se déplacent. Et puis on voit leurs yeux. Ouais. Et donc, ils ont un petit bec de canard, comme tous les cubaris. Et donc ça, c'est une souche que j'ai depuis
un peu plus d'un an et demi. Ça vient d'où ça, les cubaris déjà? Ceux-là, c'est. Asie du Sud-Est. C'est des cavernes calcaires en Asie, les cubaris. Ça, c'est du calcaire, ouais. Ils sont cavernicoles, donc ils peuvent grignoter un peu les pierres calcaires. D'accord, ouais. Du coup, tu as reproduit ça dans leur boîte. Ouais. Et tu les as déjà vus faire Ouais, ils vont chercher sûrement un peu de calcium. Tu vois que la pierre est un peu rongée. Ça s'oxyde pas, mais ça s'altère un peu le calcaire. Ouais, ouais. Et parfois, tu vois que c'est un peu grignoté parce que ça redevient blanc. Ouais, ouais. Donc, ils en mangent un petit peu. Et donc, ça, c'est une espèce qui est vraiment difficile à reproduire parce que la croissance est très lente, que la maturité sexuelle est très tardive et que la reproduction est rarissime et qu'ils font des toutes petites portées. Enfin, depuis que je les ai, donc depuis un an et demi, j'ai eu 3 portées de 4 ou 5. Ah oui. Et ça met vraiment très longtemps à grandir. Donc c'est ce qui fait la rareté de cette espèce aussi, c'est qu'elle est à la fois très jolie, donc très recherchée, mais en plus très difficile à reproduire. Donc c'est quand même une espèce qui a participé à faire connaître cet élevage, et qui a fait un gros boom dans l'élevage de cloporte il y a quelques années. Ça, c'est une autre espèce que j'aime bien, qui est espagnole aussi, enfin péninsule ibérique, qu'on appelle Porcelio bolivaris. Wow. Qui sont aussi très plats, qui ont le même dimorphisme sexuel que chez les Exensus. Donc tu vois les mâles avec des très grandes uropodes. Les espèces espagnoles, le secret c'est juste de bien les ventiler. On a tendance à penser que les cloportes, il leur faut un truc vraiment saturé d'humidité, et en fait pour la plupart c'est pas le cas. Il faut vraiment des bonnes ventilations, et d'autant plus chez ces espèces-là. De toute façon, l'humidité stagnante chez beaucoup d'animaux, ça marche pas. C'est jamais bon. Ça marche pas. Il y en a certaines qui vont les tolérer, tu vois, il y a des cloportes. Ouais. Par exemple, le Porcelio laevis, il peut tolérer des humidités stagnantes un bon moment. Cubaris murina aussi, ça va. Mais eux, vraiment, si ça stagne, tu peux être sûr que tu as de la mortalité dans les deux jours, quoi. Je les ai vus hier, ils ont lâché plein de petits. Sur le bord, Mais lui, il est déjà grand. J'en ai vu, il est vraiment tout petit. Un grand petit. C'est un grand petit. Bah là, regarde, t'en as un tout petit. Ouais, mais lui, il vient pas de naître, il a déjà une. Elle les reconnaît, elle leur donne des noms individuels. Oui. Non. J'aimerais bien les reconnaître. En fait, il y a certaines colonies où je les reconnais parce qu'ils ont des formes ou des couleurs différentes, tu vois. En fait, ce que j'explique dans une vidéo, c'est que toutes les espèces asiatiques que t'as vues là, c'est des choses que j'ai pas achetées. Moi, c'est des espèces qu'on m'a offertes parce que c'est un peu rare dans le milieu, donc ça fait toujours plaisir, tu vois, d'offrir ces espèces-là. Mais ma philosophie, c'est plus d'élever des choses qui viennent un peu de chez nous, enfin du moins de pas très loin, et surtout pour lesquelles on connaît bien les conditions d'élevage. Ouais, ce qui n'est pas forcément le cas des espèces nouvellement décrites, comme tout ce qui va être Merulanella et compagnie. Donc voilà, mon truc, c'est plus les grandes espèces, c'est pour ça que je demande beaucoup de cloportes espagnoles, parce qu'ils sont juste incroyables. Wow. Et là, tu vois, c'était vraiment des petits aussi. Et il n'y a pas besoin d'aller très loin pour voir des très très beaux cloportes très originaux, quoi. Et t'as déjà été dans leur biotope pour voir un peu ta parcours? En Espagne, jamais. Je pense que j'aimerais bien aller faire un tour parce que, bon, moi je viens de là-bas, enfin pas de la frontière, quoi, donc bon, je connais bien l'Espagne, mais j'y suis jamais encore allée avec le but d'en chercher. Ouais, je pense qu'on se fera un petit... Parce que ça pourrait t'apprendre peut-être vachement sur leur habitat. Et... Ouais, carrément. Là, c'est vraiment péninsule ibérique. Ça va être le sud de l'Espagne et le sud du Portugal. En fait, elles aiment beaucoup la chaleur, mais il faut que ça soit à la fois bien ventilé, donc plutôt proche de la mer. Enfin, ça, c'est un peu l'équivalent français de ce que je viens de te montrer. Ouais, parce qu'ils sont noirs avec des taches jaunes aussi. Waouh. Et enfin, alors français... On en trouve en France, tu vois, en ramassant des feuilles par hasard, il y en avait un dans les feuilles. Ouais, petite histoire, le premier de la souche, c'est vrai, vient d'un ramassage de feuilles dans la rue en bas chez nous. Non. Ouais. Mais sinon, c'est plutôt une espèce d'Italie, tu vois. Ouais. Mais en France, il y en a. On en trouve. C'est pas encore décrit officiellement, il y en a pas encore en France, mais officieusement, il y en a. On a vraiment trouvé un dans le jardin, quoi. Après, là, l'essentiel de la souche, on a complété, on a acheté des individus chez un éleveur. Parce qu'un seul individu pour arriver à tout ça. Oui, c'est compliqué. Ils vont être très protecteurs des petits. Les adultes vont les couver quand il y a des naissances, ils sont tous dessus. Et ils restent toujours vraiment très groupés. Il y a une forme blanche qui existe aussi pour cette espèce, qui est Armadillium gestroi, mais moi je préfère la jaune. La nature fait bien les choses. Souvent, les formes sauvages sont assez jolies quand même. Et c'est un cloporte quand même relativement gros par rapport à ceux qu'on peut voir, tu vois, en France classiquement, qui vont être autour du centimètre, mais on est un peu plus grand. Et puis ça, pour le coup, c'est vraiment des espèces faciles à élever. Enfin, il y a une espèce un peu rare, un peu difficile, mais le fait de ne pas connaître complètement leur mode de vie, ça fait que tu peux faire beaucoup plus d'erreurs d'élevage
Et c'est très frustrant de perdre une couche sans savoir ce que t'as mal fait, tu vois. C'est pour ça que je me concentre vraiment sur des espèces qu'on connaît bien. Ça, c'est une blatte qui va faire du bruit, qui va crisser quand elle est dérangée. Donc ouais, une souffleuse, on appelle, ouais. C'est ça. Ouais. C'est une Eliptorina. Eliptorina javanica. Mais c'est un peu le même principe que la Confadorina. Enfin, c'est un peu la même morphologie, c'est juste qu'elle est rayée jaune et noir. On l'appelle la blatte Halloween. Et elle vient de Madagascar, celle-là aussi, ou pas? Ouais. Ouais, ouais. C'est et donc les petits sont marrons comme ça. Ils commencent à prendre les rayures un peu plus tard, là, ils sont tout jeunes. Ouais. Et donc on les a dans un bac communautaire avec des Porcellio Milbac. Porcellio Laevis. Porcellio Laevis Milbac, qui est juste un morphe un peu différent de l'espèce la plus classique élevée chez les cloportes, qui est Porcellio Laevis Derico. Donc là. Le panda, c'est quoi quand... C'est Derico. Panda, c'est un terme qui prête un peu à confusion parce que ce qu'on appelle panda, normalement, c'est les cubaris, ça s'appelle panda king, tu sais, justement, tendance à tout petit. Petit cubaris noir et blanc. Mais c'est parfois utilisé pour décrire le Laevis Derico. Partout ailleurs dans le monde, on appelle ça Derico. Donc ça peut prêter à confusion. Ils sont marrons au lieu d'être noir et blanc. Et en grandissant, même certains individus l'ont déjà depuis la naissance, mais ils ont une bande blanche qui apparaît sur le dos. Qui grandit de plus en plus. Ah, oui. Ce qui fait que dans cette espèce, tu vois, tu as des individus qui deviennent tout blancs, comme ça. C'est juste qu'à force, ils ont perdu le marron. Ça, c'est ce qu'on appelle les pandas. Donc des petits cloportes. Ah oui, ceux-ci, c'est les vrais pandas. Ça, du genre cubaris. Ah, des petits. Des bébés. Là aussi. Non, ça, c'est arrivé à finir. Et ceux-là de cubaris, ils se reproduisent plus facilement que les autres, du coup. Ouais, ça, c'est une espèce très facile. C'est parmi les premiers cubaris qui ont été élevés. Ils sont, pour le coup, très robustes et assez prolifiques, une fois que la souche a bien démarré. Donc, c'est une espèce qui s'est popularisée assez vite, qui est maintenant très répandue, tu vois. C'est pas considéré comme une espèce rare. Ouais. Tu vas en emmener aussi un peu à l'expo, ouais, un petit peu, ouais. Alors après, la particularité des panda kings, c'est qu'ils ont tendance à aimer beaucoup s'enterrer dans le substrat. Donc tu vois, en général, il faut les chercher dans les premiers centimètres du substrat. Ouais. Donc t'en as toujours beaucoup plus que t'as l'impression, en fait, dans ces boîtes-là. Il y a, par exemple, les cloportes espagnols que je t'ai montré, ils sont tous dehors. T'en trouveras pas enterrés, quoi, ou alors il y a un petit souci. Mais ceux-là, c'est l'iceberg. C'est aussi pour ça qu'on préfère un peu les espèces des porcellio, les grands porcellio espagnols, parce qu'ils sont plus actifs, plus visibles et plus interactifs, quoi. Les cubaris, que ce soit les espèces faciles ou les plus rares, sont souvent cachés, comme conformément à leur mode de vie, en fait. Et donc, pour qu'ils soient bien, il faut ne pas les voir. Ouais, c'est ça. Donc, c'est plus pour des hobbyistes confirmés qui ont envie d'avoir l'espèce. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu moins ce qu'on recherche, nous aussi, quoi. Je trouve que c'est aussi plus facile de comprendre un peu ce qui se passe au niveau hiérarchie, au niveau social, chez les espèces que tu peux sexer à l'œil, plutôt que chez les cubaris que tu peux pas sexer. Parfois, tu te demandes ce qui se passe un peu. Est-ce qu'ils se battent? Est-ce que c'est de la repro? Est-ce que, tu vois? Alors que chez les... si tu peux les observer plus facilement, c'est voilà. Plus simple. Aussi, il y a ça. De comprendre ce qui se passe. Une espèce que j'aime beaucoup et qui a la particularité de beaucoup changer d'aspect en grandissant, ce sont les Armadillidium Peracae. Donc là, tu vois, tu as un tout petit qui naît gris clair. Après quelques mues, ils sont comme ça un peu gris. Ils vont être vraiment... Bon, lui, il n'est pas encore adulte, mais les adultes, ils sont vraiment très foncés. Ils ont des bonnes granulations qui apparaissent. Et ils ont un petit nez retroussé que tu ne verras pas forcément au téléphone, je ne sais pas trop. Mais ils sont assez marrants parce que ça leur fait un long petit nez. Et ça, c'est une espèce très facile, assez prolifique aussi. Là, j'aime bien aussi Castel d'Accia, qui a des formes... alors, la forme classique, entre guillemets, ça va être une alternance de jaune et de gris-brun, comme ça. Tu vois, par exemple, celui-là est assez typique du Castel d'Accia. Mais on a quelques individus qui apparaissent gris. Cette souche est assez jaune. Une espèce qu'on ne voit pas non plus hyper fréquemment, qui est hyper intéressante aussi parce que c'est un grand Armadillidium qui a pas mal de variations de couleurs. Enfin, ça, c'est le problème avec les cloportes, c'est que quand tu veux les montrer, ils sont désactivés, quoi. Zika, je vois que t'as une belle petite collection de terrarium avec des super bouchons Therapodia, magnifique. C'est ça. Donc ça, tu vas nous emmener ça à l'Exposorus, j'espère. Oui. Je vais vous en amener quelques-uns. Donc celui-là et celui-là sont présents. Plus des petits. Donc là, en fait, le principe, c'est quoi? C'est que tu essayes de faire pousser. Enfin, ça réussit plutôt bien. En fait,
C'est un objet qui m'a toujours intéressé, le terrarium, parce que c'est un peu une fenêtre, tu vois, du monde naturel que tu as à l'intérieur. Ça peut être une expérience assez décevante d'avoir un terrarium quand tu les achètes tout faits dans des jardineries, parce que c'est pas prévu pour durer. Et donc j'ai voulu faire des terrariums qui durent, qui peuvent plus ou moins durer à l'infini tant qu'il y a de la lumière, en reconstituant des cycles plus naturels. Ce qu'il n'y a pas dans les terrariums classiques, ça va être tout ce qui va être microphone, donc décomposeur. Le substrat s'épuise assez vite quand les plantes ont tout pris, le substrat s'épuise. Alors que en intégrant des décomposeurs comme des cloportes par exemple. Là-dedans, tu peux arriver à faire vivre des cloportes, ça va pas être trop humide. Non. En fait, je sélectionne des espèces qui tolèrent ces humidités. Hein. Par exemple, tu vois les cloportes espagnoles que je t'ai montrées, jamais ils vivront là-dedans. Mais il y a des espèces qui vivent très bien à ce taux d'hygrométrie-là, qui est à peu près de 70-80%. Et donc, qui permettent de recycler un petit peu la matière organique qui va tomber au sol, donc notamment toutes les feuilles mortes. Ils vont les dégrader et ça va être repartir dans la terre et servir un peu d'engrais, si tu veux, aux plantes. Ouais, donc ça fait un cycle continu. Tant qu'il y a la lumière et que les plantes peuvent pousser, il y a des feuilles mortes qui peuvent tomber, les cloportes peuvent manger et ça continue le cycle. Donc voilà, l'idée c'est de faire un truc qui allie à la fois l'esthétisme et aussi surtout la durabilité, parce que pour moi, tout l'intérêt de ces produits-là, c'est qu'on puisse les admirer longtemps. Au final, tu peux avoir dans ton salon quelque chose de très esthétique, très joli, en rajoutant des animaux que tu vas pouvoir évoluer naturellement. C'est vraiment chouette. En fait, c'est même par ça que j'ai commencé, l'entreprise. C'était juste des fabrications de terrariums, parce que c'est vraiment ce qui me plaisait. Et j'avais aussi à cœur de parler de l'importance de ces décomposeurs du sol, de parler de l'importance de la microphone. Et petit à petit, j'ai remarqué que c'est la partie microphone qui intéressait le plus les gens dans ces écosystèmes-là. Et donc, j'ai beaucoup développé là-dessus. Et je suis très ravie que les gens s'intéressent à ça, parce qu'au début, je me disais peut-être que j'en parle pas trop, peut-être que les gens, ils vont être un peu réticents si je dis qu'il y a des petites bêtes dedans et tout. Donc, au début, j'essayais de pas trop en parler. Et je suis très contente qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ça et qui puissent trouver ça aussi cool que moi d'avoir ce genre d'animaux à la maison pour observer, quoi. Et là, il faut un petit peu de temps quand même pour les démarrer. Là, du coup, les plantes, tu les as mis à combien de temps alors? Alors en fait, un terrarium, ça se fait, il faut à peu près compter une période de un mois, trois semaines minimum, mois après que tu les as fait, pour vérifier que tout tienne bien. Donc ceux que j'amène, c'est justement des terrariums qui ont déjà passé ce stage-là. Ouais, le plus vieux, c'est celui-là. Il a 8 mois à peu près. Et après ceux-là, ils sont un peu plus jeunes, ils ont 4 mois. Mais ils sont déjà bien installés, tu vois. Oui, c'est ça. Il y a quand même un vrai travail derrière. C'est pas juste mis 3 plantes avec un peu de terre. Non. Comme on voit souvent dans certains fleuristes où ils vendent des trucs un peu. Et c'est aussi pour ça que ça dure pas. C'est parce qu'en gros, c'est déjà des fois la composition florale est même pas faite. Tu vas avoir un cactus avec une plante tropicale. C'est ça. Et ensuite, c'est planté à la minute et vendu le lendemain, et c'est pas fait pour durer dans le temps. C'est vraiment chouette. On va conclure cette petite vidéo qui parle de petits animaux. On vous donne rendez-vous donc à l'Exposorus le 1 et 2 juillet 2023 avec Jessica et Pierre-Yves. Ils vous présenteront tous leurs animaux, leur magnifique terrarium. Je vous invite aussi à aller voir la chaîne de Therapodia, qui a fait une super chaîne YouTube, vraiment pas beaucoup de vidéos pour l'instant, mais alors d'une qualité extraordinaire. C'est gentil. Son compte TikTok aussi, c'est comme ça que je l'ai découverte, franchement c'est un truc de fou. C'est vraiment bien présenté, c'est carré, c'est scientifique, c'est chouette. Donc voilà, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bébésaurus et salut. 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 Ah, celui-là, il a sauté. Ah ouais. Il a sauté, la bestiole. Attention, il n'est pas le pad.